l'émission. Voilà, vous pouvez saluer un peu pour les bénévoles et tous les protagonistes. Ouvergne-Rhône-Alpes, le président de cette ligue Ouvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Pascal Chirin. Bonjour. Alors Pascal, on est au dernier jour de cette compétition qui en a duré 4, hein, avec pas mal beaucoup de rencontres et pas mal de belles parties. Est-ce qu'on peut tirer d'ores et déjà un premier bilan là, de ce championnat de ligue? Oui. Le chef d'orchestre, non. Le chef d'orchestre, c'était le club de Remilly, qui avait été délégué par le comité Haute-Savoie pour organiser ces 4 jours. Le premier bilan, eh bien, déjà, je pense qu'on a eu beau temps pendant 4 jours. C'est les deuxièmes championnats unifiés Auvergne et Rhône-Alpes. Donc on va commencer de parler de vitesse de croisière. Il y a quelques petits problèmes à régler encore, mais je pense que c'est un bilan. Les joueurs sont satisfaits. L'organisation est parfaite. Les terrains, en général, ils sont mauvais. C'est Quimper, bien sûr. Mais tout le monde tient ces championnats régionaux, et nous aussi, au niveau de la fédération. On tient beaucoup aux championnats régionaux au niveau de la région parce que c'est un héritage de plus de 25 ans. Donc on y tient beaucoup et pour continuer sur la forme actuelle, sur ces deux voire trois week-ends avec le Provençal. Voilà. Alors on a vu, comme d'habitude, les catégories habituelles, la doublette, la triplette, les féminines, les masculines. Il y a une nouveauté cette année, c'est le tir de précision. Est-ce que déjà on peut tirer là aussi un peu premier bilan de cette nouvelle expérience? Oui, le tir de précision. Bon, il n'y avait que 6 départements sur 12 qui ont participé à cette compétition qui est nouvelle et créée par la fédération. Bon, on a vu ce vendredi la compétition à l'intérieur du Bolodrome, derrière vous, derrière votre atelier de vidéo qui avait du monde sur 3 épaisseurs. Les gens étaient friands avec des scores très corrects. Même pour la finale, le score des femmes était supérieur au score des masculins. Donc c'est une épreuve qui est appelée à durer tous les 2 ans, à perdurer tous les 2 ans. On verra bien la position de tous les départements. J'espère que la compétition avec votre vidéo de la journée incitera les départements, les comités absents à se lancer, quoi. On a déjà détecté des problèmes, c'est très énergivore en personnel pour organiser ça, en arbitre, en gens pour remettre les boules et les ramasser. C'est très dur à organiser, je pense. Bon, voilà, il faut se poser des questions aussi là-dessus. On verra bien ce que donnent les championnats de France en juillet à Flamanville. On aura un retour d'expérience et faire un bilan aussi au niveau de la fédération ou au niveau national. Parce que ça prend beaucoup de dates, il y a des problèmes complexes à régler quand même. Voilà. Alors être président d'une ligue, d'une région, c'est une tâche qui demande un certain nombre de régler un certain nombre de problèmes, de gérer un certain nombre de choses. Là, par contre, régir une région comme Auvergne-Rhône-Alpes avec 12 départements et puis de très très gros clubs, et de très grands clubs, est-ce que c'est une difficulté particulière? Oh non, c'est pas spécialement difficile. Bon, en tant que président, je gère beaucoup de l'humain. Bon, j'ai de la chance d'avoir une équipe derrière moi, championnat des clubs, trésorerie, réservation hôtelière, qui fait chacun à l'habitude, chacun à son poste, un très bon secrétariat. Donc moi je gère beaucoup d'humains, c'est un peu spécial. Et puis on en est à notre deuxième mandat avec nos amis auvergnats, on a harmonisé nos pratiques. Les grands clubs, non, on n'a pas de soucis particuliers avec les grands clubs. Bon, on a pratiquement récupéré notre niveau de licence avant Covid. Il n'en manque plus beaucoup. Bon, après, il faut travailler le point pour travailler. Ça va être les jeunes, puisqu'on a perdu 40% des jeunes avec le Covid. On a récupéré, mais ça va prendre des années à retrouver le niveau d'antan. Mais il n'y a pas de. Non, tout roule pour la région, chacun son poste. Et on essaye d'avancer tous ensemble. Voilà quoi. Bon, je vois la semaine prochaine, on va à Clermont-Ferrand pour la deuxième partie. Bon, je ne suis pas très soucieux de ce week-end. Merci Pascal Chirin d'avoir pris un peu de temps pour passer ici là, sur l'espace Bouliste Note. Merci à l'équipe Bouliste Note. Merci. Voilà, après ce premier bilan fait par le président de la région Aura, et cet entretien qui nous a donné il y a quelques heures,
place à la compétition hein, et surtout à une partie particulièrement importante aujourd'hui, c'est la partie qui va qualifier soit Philippe Suchot et Sandrine Poinceau, soit Amandine Stanchon et Joanne Gielli pour les championnats de France doublette mixte à Souston. Une partie qui commence, Stéphane. Oui, bonjour à tous, salut Pierre, très heureux de vous retrouver et effectivement... Une équipe de Livron peut en cacher une autre, hein, puisque nous avions droit tout à l'heure à la sœur d'Amandine Tanchon, Émilie Tanchon. Hein, et donc effectivement, donc, ce qui prouve la qualité de ce club hein, de la Drôme, avec ses équipes qualifiées ici au championnat régional. Ça démarre à l'instant, vous n'avez rien manqué, et comme tu l'as dit, une place pour le France est en jeu, que le meilleur gagne. Évidemment, on se retrouve toujours sur ce même terrain que vous connaissez maintenant, là, au bout de 4 journées passées ici à Rumilly. Terrain très, très sélectif et qui nécessite vraiment beaucoup de concentration et de technicité pour réussir. Et vous le voyez, elle n'en manque pas. Hein. Notre amie Poinceau, Sandrine Poinceau, championne d'Europe. L'année dernière, aux Pays-Bas, avec Michael Bonetto. Voilà, ce jeune homme qui vient de faire ce magnifique carreau, c'est Joanne Gielli. Joanne Gielli qui est en compagnie d'Amandine Tanchon, a déjà à son tableau de chasse aujourd'hui une tête de série, puisque ce sont eux qui ont fait tomber Christian Fasino tout à l'heure. Dès les huitièmes de finale, sortie de poule. Et de quelle façon hein, ils ont gagné 13-0. Suchot est prévenu, hein. Son ami Christian Fasino a dû lui passer un petit coup de fil, le croiser dans les allées. Et donc je pense que les sociétaires d'Arlan vont faire très attention à cette équipe. Amandine et Johan qui ont perdu en finale hein, de leur championnat départemental, ce qui les a amenés ici à Rumilly aujourd'hui. Et d'ailleurs, Amandine avait battu en demi-finale sa sœur, qui était donc présente et qu'on a suivi tout à l'heure sur la web télé Boulistenote. Donc une affaire de famille au club de Livron. Ah ben, certains champs, on les connaît, hein, on les connaît, parce qu'on les a vus, on les avait vus triompher il y a quelques années au National de Bourg-Saint-Andéol. Et depuis, elle figure régulièrement place d'honneur à la Drôme. Alors, cette boule qui a eu un petit peu de remords sur la fin. Alors, est-ce que ça suffit? Ça suffit. De la Drôme qui ouvre le score en premier. Thank you.
Ça, c'est rarissime. Hein. Manqué double de Suchot. Cette reprise de Sandrine Poinceau, c'est magnifique. Elle va lui donner, déjà, elle va faire jouer l'adversaire, mais elle va lui donner une petite chance aussi de voir un cas de frappe à sa boule amener le bouchon ailleurs. C'est une boule tirée plein fer qui a fait sauter la boule de Poinceau, hein, donc rien n'a bougé. C'est chaud qui joue avec des maillots qui claquent. Hein. Allez, voilà, c'est ce qui risquait d'arriver. Elle a fait une reprise extraordinaire, mais sur ce terrain, c'est difficile à reproduire. Et en plus, elle est passée deux fois derrière, donc c'est des boules qui ne vont pas compter. Hein. Encore, elle serait restée un petit peu courte. Bon, ça peut ennuyer un petit peu l'adversaire, mais là, elles sont passées d'un mètre. Et il y a toujours deux points. Le droit moins. Alors, 4 boules de rajout. Oh, c'est bien joué, il y a aussi. Il y a aussi, ça va faire un gros départ pour le gros moins. De Géry maintenant, c'est de rentrer une fois sur deux, hein, ça ferait une main de 4. Alors, on va voir s'il y est, c'est peut-être pas sûr. Hein. Il va peut-être falloir tirer pour faire rentrer ce point-là. Voilà, ils ont fait les 4 points. Ça fait 5-0. On l'avait dit, cette équipe est capable de tenir tête à hein, Suchot et Poinceau. Et puis elle fait plus que tenir tête. Hein, les secoue là pour l'instant. Oui, mais là, évidemment, Suchot, ils ont joué une boule sur 6. Hein, donc c'était difficile d'espérer mieux.
deux trous, trois boules pas très très bien pointées, donc le calcul est vite fait. Ça aurait pu être un petit peu plus cher, mais bon. 4 points, c'est déjà très bien pour Livron. 5 à 0 à l'issue des deux premières mènes. Évidemment, on attend une réaction des jaunes et bleus. Elle s'en veut, on l'a vu, elle a beaucoup de déception parce qu'elle sait que c'était important d'enfoncer un petit peu le clou là, à 5 à 0. Ne sont pas bons, mais on fait jouer, c'est bien. Ouais, il a pratiquement plus d'un mètre derrière le but. On l'a vu, elle est restée dans la main de Poinceau, celle-là aussi. Point pour Arlan et on est venu à égalité de boules. Hein. 3 boules de chaque côté. Oui, comme quoi on gagne. On ne perd jamais de temps à attaquer, à bien tirer. C'est Philippe Suchot qui a les boules en main dans cette mène. Hein, maintenant, c'est à lui de faire la différence, de faire le boulot. Très dur à faire réaliser. Une supplémentaire de 3 points pour Caroline Gros et Valentin de la sur le terrain numéro 6. Là on s'avoue maintenant 4-0 face à la droite de Julie Caron et Franck Lemosa. Ah, celle-là, elle a dû partir. On va vérifier, mais ça sera certainement 2 points. Hein.
Ouverture du compteur pour l'équipe d'Arles, le club de 50 points sur le Philippe Suchot qui inscrit 3 points. Ah non, c'est 3 points. C'est 3 points. Elle était longue, la boule de Suchot, mais elle a quand même marqué. Voilà, voilà la réaction attendue. Ils ont profité des petits errements de leurs adversaires. 3 points. Suchot a fait le taf avec ses 3 boules. Allez, Sandrine Poinceau là, qui est bien inspirée là, de bien démarrer cette main. Elle tirait sur 2 boules sur 6 jouées. Ça c'est parfaitement fermé. De bien jouer, un petit coup de bouchon, et finalement ça fait un très bon point. Alors ça fait un très bon point, mais par contre le palais de Gieli est bien meilleur. T'es remis un petit peu en course là. Allez, on joue le jeu, hein. On tire évidemment. Ouh. Attention, parce que la boule de Sandrine Poisson est toujours en troisième position. Pas tout à fait au jeu, dommage, elle avait bien le poids, la boule est partie un petit peu sur la droite. On a quand même du mal à dompter ce terrain, hein. C'est un capricieux. Vraiment, c'est très très difficile d'assurer une boule. Elle a bien joué à Manin Tanchon, elle est rentrée deux fois sur les points adverses. Ils sont trois fois deuxième. Ils sont en deuxième, troisième, quatrième position. Et ce qu'il faudrait, c'est une boule plein axe, un petit peu courte. Allez, dernière boule de la main, là, pour la Drôme. Alors, c'est peut-être gagné. Ça peut être pas une bonne nouvelle parce que ça fait partir Suchot au tir et qui sait. Alors la boule de Poinceau est en première position, le point. La boule et les deux boules de Tanchon sont en deuxième et troisième position. Ensuite c'est le carreau de Suchot et ensuite c'est le carreau de Gieli. Attention, parce que maintenant il a frappé. Peut-être frappé. Alors il a peut-être deux points en frappant à Suchot. C'est ça, il va tirer pour deux. Mais s'il venait à cadrer, ça serait un très gros tir qui serait proposé à Poinceau derrière. Et c'est fait.
4 points, à moins qu'il y en ait 3. Ouais, c'est la boule qui est à l'extrême gauche là. Mmh. J'ai l'impression qu'elle va tirer donc. Ouais, elle va tirer au petit palais de Gély. Oui. C'est fait avec ce petit recul et ça va faire beaucoup de points. 6, 4. Alors ça c'est encore une boule de tension que désigne Gély du pied. Donc il y a 2 points, il y en a certainement 3, il y en a peut-être 4. On va tout mesurer. On mesure en fait le cinquième. 4. Ce sera 4 points. Quel reversement de situation là, en 2 mains. Ah, grosse accélération, on attendait cette accélération de Suchot et Poinçon. En tout cas, cette main, ils sont allés la chercher, hein. Il a fallu frapper 4 fois. Et c'est les carreaux qui ont compté. 4 points pour Sandrine Poinceau et Philippe Suchot sur terrain numéro 4 qui prennent la tête. Et oui, mi parti en 2 mains. Hein. 7-5 face à la drone d'Armand Bourchard. Une main qui a mis en exergue les qualités de Sandrine Poinceau. Hein, on sait qu'elle envoie bien la boule, qu'elle pointe bien, mais surtout, on le sait depuis longtemps, c'est une joueuse qui est capable de finir les mains au tir, comme il vient de le faire. Oui, puis c'était quand même la quatrième main, elle n'avait fait que pointer, donc elle a quand même fait une très très belle frappe, en plus qui a compté. Elle aime ça, on a vu finir beaucoup de mains au tir comme ça lors des championnats d'Europe l'année dernière, en compagnie de Michael Bonetto. Petite ouverture là pour Amandine Tanchon. Et elle en profite. C'est comme ça, quand on fait une mauvaise entame, après on compte beaucoup sur son tireur. Parfois même en bien tirant, on manque. Voilà un petit palais qui améliore l'ordinaire. Allez, boule 50 cm sur le côté, vous le voyez, donc il y a encore un petit peu de place. Elle a passé des deux, hein, malheureusement. Heureusement pour elle. Bien sûr. Nous n'avons évidemment aucun parti pris dans cette partie. Et quand on dit malheureusement, c'est évidemment pour le joueur ou la joueuse qui vient de jouer. Elle a rendu quand même une boule tanchon et ça c'était un peu inattendu. Et voilà, c'est chaud quand on trouve un peu la porte, ben il met le pied dedans. Hein. Et là, avec ses deux carreaux, là, il a posé une main qui. Alors il y a toujours l'avantage de boule en faveur de Gély, mais maintenant ça devient compliqué. Ouais, un point à 35, un point à 50. Ah, c'est bien joué. Une boule qui semblait courte et qui a bien roulé. Oh, c'est superbe.
C'est super, ça se resserre pour Gilly avec un point qui est encore plus près du but que le carreau de Suchot. Ouais, superbe courbe là, vous allez le voir au ralenti. Ça, c'est magnifique aussi. Alors, boule à boule, point pour Retonchon. Voilà, c'est Gély qui a finalement gain de cause. Pas tout à fait droite, hein. Le but a failli gicler. Le but qui est complètement enterré là. Allez, dernière boule de la main. Très dur cette boulie, il a joué intelligemment, il avait joué sur la droite avec un effet rentrant. Et bien en tout cas les deux équipes se trouvent presque au coude à coude, hein, 7-6 pour Poinceau. C'est assez rageant, je pense, pour Suchot et Poinsoir. On va faire 3 carreaux dans la main et prendre 2 points. Bah, il tire en retard, hein, donc. Tout à fait. Oui, mais bon, voilà. Souvent, on peut espérer quand on joue 3 carreaux, ils ont loupé. Mais ce qu'il doit faire rager Poinsoir, c'est d'avoir manqué cette boule. Parce que, en voyant la façon dont Gély a pointé derrière, c'est ça qui donne les regrets. C'est encore bien joué. Ah, c'est repris. Attends, ils sont sur là. Sur une allure de croisière maintenant, Poinceau et Suchot, il va falloir absolument pas que Tanchon, absolument pas que Tanchon et Gély baissent de régime. Ah, il n'a pas du tout baissé de régime, Johan Gély, avec ses petits carreaux. Il les dépose les boules. Belle technique, hein. Lâcher de même, parfait. Lâcher de boule, pardon, parfait. Lâcher de boule et sortie de main. C'est ça. Et c'est encore bien tiré, et puis une boule qui est encore restée en jeu. Hein, avec ça fait 2 petits palais pour Gély. C'est magnifique qu'il va jouer. A franchement gagné 3 fois ce point qui est à même pas 50 cm dans ce jeu compliqué. C'est superbe. Oh là 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 là, quelle main de Johan Gély.
répondu parfaitement à la prestation magnifique de Sandrine Poinceau. Et c'est Suchot qui doit bien pointer maintenant, parce qu'une seule boule gaspillée, ça le mettrait en danger. Oh, c'est parfait, c'est parfait. C'est vraisemblablement regagné. On n'avait pas bougé du côté de Tanchon et Gély, mais je crois qu'il va falloir qu'ils y aillent. On va mesurer quand même. Chaud. Ouais, il l'a gagné idéalement en plus, hein, un petit peu. Ouais. Ça, c'est une rapuguette qu'elle a fait Amandine Tanchon vers sa paye, parce que finalement, vous le voyez, maintenant elle possède 2 points. Enfin, on va mesurer, mais je pense qu'elle possède 2 points. Si on y va à 2 au rond, c'est qu'il y en a 2. Hein. Sinon, on n'a pas hésité et à tirer quand même, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'il a décidé, ce jour? Elle est montée où cette boule? Ah, il est un petit peu malheureux, il a frappé dans un trou, dans le trou de... je ne sais pas d'où il vient ce trou d'ailleurs, on n'a pas dû le boucher tout à l'heure, mais il a frappé directement sur le sol. Là, s'il avait pris un peu de gravier, je pense qu'il aurait pu le gagner. Allez, boule à boule, point pour la Drôme. Oh là là, c'est superbe ce qu'il vient de faire. C'était une boule bien enroulée. Là, elle a pris le gravier, hein, ouais. Vous l'avez vu, c'est planté dedans. Elle a envoyé un petit peu courte, mais il y avait du gravier, effectivement. Elle est restée bien droite et puis bien bloquée en sortie de main. Elle n'a pas se gêner à Manita Jean, parce que même en frappant, le bouchon peut aller dans un des palais de son partenaire. Oh là là, là c'est... Et bien, ça sera un point. Allez, un point supplémentaire, 8-6 pour Arlan, 7e main. Et ça joue plutôt vite puisqu'on n'est encore pas à 25 minutes de jeu. Hein, donc, comme tu dis souvent, il n'y aura pas de problème de dépassement de la minute là jusqu'à présent. Alors, une boule un petit peu longue, qu'est-ce qu'on va décider, hein? Parce que là, on est à 6 m50. Voilà, on va tirer pour ne pas se mettre dans les ennuis. Voilà, c'est bien tiré. Elle a eu un petit coup de mou, puis là il est bien revenu. Hein. Ouais, Gély. Là c'est encore un petit palais avec un très beau point. Ouais, un petit replay.
ça c'est bien. C'est bien, un tir très simple. Joan Gély, pas très académique, mais enfin, il dépose les boules, un peu de rotation, mais il est souvent un pied de boule. Mais en face de lui, il a celui qui est toujours un des meilleurs tireurs du monde. La concurrence est rude. D'ailleurs, la question, tout le monde se la pose en ce moment. Est-ce que Suchot ira au Bénin, puisqu'on attend quand même toujours la sélection française pour le championnat du monde en septembre. Alors, un petit peu de réflexion. Trois boules à deux pour Tanchon. Mais le point contre eux. Ah, ça c'est bien joué. C'est bien joué parce qu'elle s'est mise face au bouchon. Et alors, c'est pas sûr qu'elle en bénéficie d'ailleurs, parce que de la façon dont c'est placé, un déplacement de bouchon profite plutôt à ce chaud. Voilà, c'est ça. C'est ça. Maintenant, c'est deux points. Pour le sociétaire d'Arlan. Alors ça a profité parce qu'ils ont deux points, mais ça élargit la reprise du point, et avec l'avantage de boule, ça sera peut-être difficile à l'équipe d'Arlan de marquer sur cette main. Ça va dépendre de la première boule. Hein, Je pense que si... Alors, Suchot, ben, il va pointer ce show, hein, parce qu'il n'a pas tellement de gains à espérer en tirant. Et puis on a vu qu'Amandine Sanchon, elle est parfois un petit peu indélicatesse au tir. Voilà, là, c'est lui qui a bouchonné maintenant. Elle n'a pas le choix, Sanchon, hein, de toute façon, il faut qu'elle tire. Tiré parce que elle avait besoin de marquer attention pour rester au contact. Voilà, un petit cours de règlement FFPJP par madame l'arbitre. On avait reculé. Que la plupart des joueurs connaissent, mais j'ai vu il n'y a pas longtemps le règlement de la fédération de 1958, il faisait une page. Et maintenant il en fait une bonne vingtaine. Oui, il est toujours préférable de bien le connaître si on veut faire de la compétition, parce que. Il y en a qui le connaissent parfaitement. Alors ça c'est une boule qui paraît pas mal, mais à mon avis, étant donné que le terrain est assez grand dans cette partie, c'est un point qui n'est pas si bon que ça. Les gens ont la même réaction. Je pense qu'on la voyait un petit peu courte parce qu'elle est quand même tombée un petit peu dure. Hein. Il n'y avait pas trop d'épaisseur. Je ne sais pas si c'est voulu ou. Je crois qu'elle-même se trouvait courte. Hein, enfin, oui. On lui demandera peut-être après la partie. Et là, du coup, ça fait un tir qui n'est pas très sympathique là, pour Joan Gély. Mmh.
Et là, par contre, oui, on discute, hein, parce que c'est pas encore parti tirer, je vais dire. Mais il va tirer, puis ça, c'est les boules qui font bien tirer. Là, on peut avoir un petit carreau. Voilà. Bien vu, Pierre. Dans l'autre demi-finale qui oppose Caroline Bourriot à Julie Cardon, c'est la Haute-Savoie avec Caroline Bourriot qui mène 11 à 0. Oh là, la réponse de Suchot, c'était vraiment une boule qui était, il était pas sympathique du tout, celle-là aussi. Il fallait sauter le bouchon. Et avec ce carreau, il fait jouer Suchot. Il joue bien Tanchon et Gély. En face, ça joue très très fort. Ah, c'est repris. Il s'approche encore plus du but. Ah, ça, c'est ce qui se passe depuis le début de la partie. Il tient la partie à coup de carreau, Philippe Suchot. Alors, 3 boules à 2 pour Suchot et 2 points sur le tapis. Bravo. Voilà, enchaîné. C'est magnifique cette. Elle n'avait que cette solution pour se mettre à l'abri, Sanchon, et elle y est arrivée. Et puis attention, parce que si le bouchon ne partait pas loin, il y a toujours le petit palais de Gély au fond. Alors celle-là, il doit encore attendre qu'elle parte, là, Suchot, parce que honnêtement, on a du mal à comprendre comment il n'a pas frappé. On en a eu quelques-unes quand même, hein, pendant ces 4 jours, des boules frappées au pied comme ça. Il était plus que demi-boule en plus, hein, donc... Et voilà un petit déplacement de bouchon qui fait compter du coup, alors en quatrième position, mais qui fait compter le petit palais de Gély. Ça n'aura pas d'incidence évidemment. Non, mais elle va pouvoir retirer, elle défend 2 points, donc il faudra bien pointer la dernière boule ça, du côté de Livron, si toutefois... Oh, c'est encore... Elle est déçue parce que les deux fois, elle croyait en prendre un petit bout. Hein. Et là, du coup, c'est la marque qui va être du côté de Tanchon et Gély, peut-être avec la possibilité de faire 2 points. Partout, une partie toujours aussi indécise et toujours 2 places à prendre pour le championnat de France doublette mixte à Suston. Ouais, et puis vraiment cette semaine qui s'est jouée sur des détails, hein, parce que les deux manqués de Suchot et Poinceau sont au pied de la boule et ils auraient vraiment pu faire complètement tourner la mène. Exactement. Ils étaient 3 boules à 1 avec... 2 points à défendre, et à la sortie, ils n'ont pas marqué. 8 partout, 9e main.
il a eu raison de se reprendre. Il y avait un jeune spectateur là qui agitait les pieds. Il est injouable, là, Philippe, ce choix-là, sur cette partie. J'ai dit, lui tient tête. Le premier point pour l'équipe romaine de Julie Cardon et Franco Mazin sur le terrain numéro 6. C'est toujours la Haute-Savoie qui mène dans cette demi-finale. Brouillé 2 à 2, pardon. Brouillot de la main mène donc 11 à 2 face à Cardon et Romaine. Dans la deuxième demi-finale. Réduction du score pour Julie Cardon, 2 points face à Caroline Bourriot, 11 points. La remontada est en cours. Ouais, Sandrine Poinceau qui a laissé un petit peu de place. Oui, on a discuté parce que le jeu commande de pointer évidemment, mais on se méfie quand même hein, de Suchot là, qui multiplie les carreaux. Et voilà un autre. Alors, cette poule a reculé. Il n'y a peut-être qu'un seul point. Mais alors, quelle partie encore, quelle partie de Suchot. Suchot qui n'a pas envie d'utiliser son joker, je pense. Oui, ça c'est pour le fin de partie. Quel tireur quand même. Et ça fait 25 ans que ça dure. Ah oui, j'avais la chance moi de 1985 ou 86 d'être dans les gradins des championnats de France. Doublette à Annecy et Daniel Voisin était venu avec un tout jeune homme là, et ils avaient joué Passo et Marco Fouillou en finale et ils les avaient battus et on découvrait Philippe Suchot et puis depuis de l'eau qui a coulé sous les pommes et c'est toujours un grand plaisir de le voir évoluer. Ah, il joue bien, il joue juste Joan Gély. Hein. Il joue ses cartes, c'est bien. C'est bien parce qu'à 8 partout, tout le monde peut gagner dans cette partie. Ouais, s'il tape, il sera debout là. Sandrine Poinceau pour la marque. C'est fait. Et dernière boule pour Gély. Voilà, Yonais Allais me dit dans l'oreillette que vous êtes plus de 4000 à suivre cette rencontre. Ah, ça c'est mieux. Oh là là, quel carreau. Ça sera 2 points. Et on va mesurer le troisième.
Salut Philippe, Philippe Rosenbeg là, qui nous fait un petit coucou de Fréjus. On le sait. Grand amateur de la web télé Bouliste Note, qui à ses occasions nous accompagne sur le podium, micro à la bouche. Et qui a certainement a fait plusieurs réunions, je pense, aujourd'hui pour décider de ce qu'il allait faire de sa journée. Alors c'est bien deux points. Hein. Il y a un petit avantage à ce show avec ce mini break qui le fait pénétrer dans la dernière partie de la partie. C'est que c'est chaud quand il a 10 points, il est encore plus dangereux. Ah, c'est bien, non, mais c'est parfait, l'oblige Gély à tirer. Et puis on voit Sandrine Poinceau qui sait quand même bien s'adapter au jeu parce qu'une fois debout, une fois accroupie, et là ça paye, hein, elle avait certainement bien jaugé de sa donnée, donc elle avait... Ah, c'était bien tiré, bien pied de boule, mais le point reste à Poinceau. Ça, c'est très bien joué aussi. Je pense que même sans le coup de bouchon, elle avait gagné le point, Amandine Tanchon. Oh, il est vraiment injouable. On n'a pas pris le compte hein, des carreaux qu'il a fait de cette partie, mais alors c'était... Un moulon, comme on dit chez moi. Ça devient compliqué parce que là maintenant il faut qu'elle joue aussi bien quoi, attention. Mais dans ce jeu, franchement, des points comme ça, c'est pas des cadeaux. Hein. Et voilà, parce qu'on est dépendant de la frappe, les frappes là. Surtout dans cette partie où elle est envoyée, là, où il n'y a pas de. Qui n'est pas grasse. On est directement sur le sous-sol. Là. Et puis le sous-sol, il n'est pas beau dans ce jeu. On le voit un petit peu à l'écran, c'est beaucoup plus clair. Donc c'est plus clair, c'est qu'il y a moins de cailloux. Alors on calcule, parce que Suchot et Poinceau jouent 3 points. Décidé de tirer, c'est sûr, mais à quoi est-ce qu'on a décidé de tirer? Ça peut être le bouchon, ça peut être la boule la plus près, certainement le bouchon. Et il est frappé, il est sorti, c'est superbe ce geste de Joan Gély qui laisse les Drômois dans la course, dans la partie. Il a du crash ce jeune homme. Et il veut aller à Souston. Et il va aller à Souston tout de suite, hein, parce que, évidemment, le perdant, vous le savez hein, maintenant, depuis 4 jours que vous êtes avec nous, vous savez que le perdant va disputer une petite finale tout à l'heure, mais enfin, il vaut mieux tenir que courir. Et quand on est comme ça, en fin de partie, presque au coude à coude, on veut gagner. Et là, c'est une belle ouverture. Je veux dire, c'est une belle ouverture pour Amandine Tanchon, mais avec il y a toujours le diable Suchot là qui est en embuscade. Est-ce qu'on n'est pas trop inquiet peut-être pour la reprise, mais on est plus inquiet pour eux après si Suchot va dans le rond. Il faut faire la reprise. Ouais. Première équipe qualifiée pour la finale de ce championnat régional qui se qualifie par la même occasion. Pour le championnat de France, vous pouvez applaudir. Et oui, il y a des supporters. Caroline Bourriaud et Valentin Belava.
Voilà, vous entendez les applaudissements, vous entendez le public qui s'enflamme. Il s'enflamme parce qu'on connaît une des équipes finalistes là, de ces championnats de ligue, de classe mixte. C'est Valentin Belama et Caroline Bourriot qui ont été véritablement, eux aussi, injouables aujourd'hui. On les a vus tout à l'heure triompher d'Alex Mallet et Mona Bégil à l'issue d'une partie phénoménale. Donc ce ticket là pour Souston qui vient de gagner, ben, il est plus que mérité. Un petit palais. Et par contre, 5 boules pour 3. Pour les Livronnais. Enfin, j'espère qu'on dit comme ça. Je ne suis jamais allé à Livron. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué parce qu'il fallait faire retirer de suite. Il n'est pas revenu, Tachon. Il faut faire jouer à fond l'avantage de boule. Oh là 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 là. Encore le carreau qui bloque la main. C'est impressionnant, on devrait être habitué, hein, mais on n'arrive pas à s'habituer. Talent de ce garçon. Ouh, il a failli embarquer le but. Là, ça aurait été un petit hold-up. Et voilà, du coup, il a un petit peu la pression à Gély. Ben, c'est 4 points porteurs pour Suchot. Alors, une petite boule d'avance hein, pour Gély, mais maintenant comme Suchot joue 3 points, ben, on va être un petit peu obligé quand même, je pense, de pointer. C'est encore Garo qui a changé la donne complètement. Et c'est bis repetita parce que il a dû en faire une vingtaine de carreaux comme ça, c'est chaud, c'était parti. Oui, c'est compliqué quand on essaie de gagner des points comme ça. On joue pas avec la même facilité que quand ils font gagner un mauvais. Alors la question, c'est de savoir, est-ce qu'il est rentré en second? Même s'il est rentré en second, je pense qu'il ne va pas tirer, j'ai dit. Tire, il se met une pression de fou. Hein. Si il parvient à gagner le point deux fois, il peut avoir une chance de s'en sortir. Voilà. Oh là là. Non, il l'a pas gagné. Il en a coupé beaucoup, mais il l'a pas gagné. Qu'est-ce qui se passe? Si tire, il va avoir un point. Allez, c'était la dernière boule pour Livron là qui va être spectateur maintenant dans cette fin de main. Exactement. Une boule dans chaque main là pour Arlan. Je pense que c'est chaud, le tir au coup pour un. On est un petit peu loin pour vous le dire. Hein.
Ouais, il va avoir tapé gagné. Hein. S'il y en a qu'un, le. Non, je pense qu'il doit avoir carreau gagné. Parce qu'il y a la boule de Tanchon qui est devant et sur la droite. Oui, tant pour moi. Oui, c'est vrai que tout à l'heure, ils avaient 4 points, mais... Voilà, et ouais. On va essayer par contre de rentrer la boule qui est devant. Si Poinsou y parvient, qu'elle rentre en deux, elle aura gagné. C'est bien réalisé. Est-ce qu'elle est rentrée en deux? Ça, c'est une autre histoire. Non. Ça ne sera que 2 points. En tout cas, c'est très très bien joué, joué à la perfection. Petit sursis hein, pour la Drôme. Oui, mais quand même, ça joue tellement fort que la moindre boule gaspillée, là, et Dieu sait que c'est facile de gaspiller une boule, la moindre boule gaspillée du côté de l'Ivron, les mains d'Angie chaque fois, parce qu'il n'y a pas de, y a pas d'ouverture. Hein. Surtout pas de boule manquée de Suchot. Ah, le carreau qui a quand même, ouais. Je suppose qu'ils sont contents déjà quand Suchot ne fait pas carreau. Ah oui, bien sûr, on va filmer la petite finale tout à l'heure hein, pour la troisième place. Et voilà encore sur le. Le scénario habituel qui se reproduit avec un point ni bon ni mauvais de Poinsou et puis du coup Amandine Tanchon part pointé et voilà, elle le met très bon. Derrière mais très bon quand même. Je pense que c'est chaud à tirer. Ah non, 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 il veut profiter du fait qu'elle est derrière, comme tu le disais Stéphane. Puis peut-être aussi que Poinsou peut tamponner la sienne, hein, faire un point comme ça. Oui, elle est courte, pas non? Pas comme ça. Hein. Petite. Ah ben, du coup, ce qui était une bonne idée stratégique se transforme en mauvaise idée. Parce que maintenant, elle ne peut plus jouer la sienne. Et voilà, et on partirait parce que le point il est quand même très bon. Bon, ben on attend toujours que ce choix manque une. Hein. C'est bien joué. Bien joué, elle lutte à Amandine Tanchon. Et voilà, gros carreau. C'est incroyable. incroyable ce que réalise Suchot. Ça me rappelle quelque chose qui s'est passé il y a très très longtemps. Suchot et Quintet étaient venus faire une semaine exhibition à Draguignan. Ils jouaient sur le parking supermarché et tous les jours ils affrontaient. Oh, c'est bien. Oh là là. Et tous les jours ils affrontaient les meilleures équipes de la région PACA. Ils ont fait une douzaine de rencontres, je crois qu'ils ont perdu que la dernière. c'était ça tout le temps, des carreaux dans ces jeux. Oh, elle patine encore celle-là. On en perd les mots. Ouais. Ouais. C'est énorme cette partie que fournit 3 carreaux le champion du monde. On a déjà vu 4 hein, sur la web télé Bouliste Note. Eh ben oui, à force, c'est difficile hein, pour jouer Angeli. Il a du talent ce jeune homme. Hein. Et là, il est confronté à. On a l'habitude de dire que les gens comme Suchot sont des monstres de la pétanque. Et là, c'est une partie monstrueuse. Allez, un petit replay, parce que la boule, elle doit encore patiner. Hein. Ah,
Là, et puis là, évidemment, on ne peut pas contre-attaquer, puisque. Enfin, on pourrait, mais je veux dire, avec il y a 3 points sur le tapis. Donc il faut faire carreau si on contre-attaque. Donc c'est très compliqué. Il faut espérer reprendre et faire jouer la dernière boule d'Arlan. Alors, elle est certainement en deuxième position. Là, maintenant, si vous voulez s'en sortir, de toute façon, il faut tirer. Ah, ici, tirer et puis un carreau serait bien volé. Ah oui, ça obligerait Sandrine Poinceau à pointer. Carreau, il aurait 2 points. C'est fait. Ah, c'est bien tiré. C'est bien tiré. Et maintenant, c'est frappé gagné pour Sandrine Poinceau. Allez, dernière boule de la main, boule de gagne dans les mains de Sandrine Poinceau. L'objectif, c'est passer les 2 boules et ça sera suffisant. Et ça sera un peu. Ah, est-ce qu'elle est arrivée? Oui, dit Suchot. Je ne sais pas, dit Gialli. Suchot est confiant. Suchot est confiant. Et voilà, c'est terminé. On connaît le deuxième finaliste de ce championnat de Ligue. Enfin, les deuxièmes finalistes, puisque ce sont Philippe Suchot et Sandrine Poinceau. Donc, ces finalistes, ils le sont tout à fait logiquement, puisque on a vu aujourd'hui Belama et Mourio impériaux. Et puis, là, on vient de voir Philippe Suchot. Philippe Suchot fidèle à sa légende. Hein, ça a été une partie monumentale qu'a fourni le champion du monde. Et donc c'est tout à fait logiquement qu'il s'impose face à cette belle équipe d'Amandine Tanchon et de Joanne Gély. Ouais, on a cru au début hein, qui pouvait quand même rivaliser. Hein, et puis tu l'as dit, la machine Suchot s'est mise en route avec entre une quinzaine de carreaux, certainement, si c'est pas un petit peu plus. Comme tu dis, il est injouable hein, quand il est comme ça. On se rappelle de cette finale de Coupe de France l'année dernière, remportée là, face à Fréjus, où il avait aussi été impérial, mais il est tout le temps impérial. Hein, et puis il aime ses parties comme ça en jeu. Et puis comme ça, bah, il a pas utilisé son joker, il va pouvoir être un petit peu tranquille pour la fin de la journée. Voilà. Et donc deux finalistes qui vont disputer tout à l'heure la finale du championnat de Ligue, mais qui déjà arriveront parmi les favoris au championnat de France à Souston. Et là, dans quelques instants, on vous convie à regarder à qui sera distribué le dernier billet pour Souston, qui entre l'équipe Tanchon et puis l'équipe de Julie Cardon. Voilà, Cardon. Finaliste du tir de précision là, ici à Rumilly. Donc, voilà, et ça va se passer dans quelques instants, évidemment, devant les caméras de la WebTV Boulistonote. Voilà, à tout de suite, merci.